Dans Luc 6, à partir du verset, il est écrit, et il arriva un autre jour de sabbat qu'il entrait dans la synagogue et qu'il enseignait. Et il s'y trouvait là un homme dont la main droite était sèche. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Mm-hmm. C'était afin de pouvoir l'accuser. Mm-hmm. Mais il connaissait leurs pensées et il dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi et tiens-toi debout au milieu d'eux. Et il se leva et se tint debout. Au verset 10, et ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme, étends ta main, ce qu'il fit et sa main fut rendue saine comme l'autre. Mm-hmm. Ma question est celle-ci. Moi, je suis passé chez beaucoup de pasteurs, et là, il paraît que cette main-là, c'est l'avarice. Donc, il y a des pasteurs qui font le jeûne aux personnes pour les délivrer de la main sèche qui est l'avarice. Ah, je vais en savoir plus. Parce qu'ils sont avares, c'est ça, mais c'est pas. C'est pour ça que leur main est sèche. Ok. Donc il faut les délivrer. Donc ils font 3 jours de jeûne sec pour délivrer de cette main-là. Ça, c'est les pasteurs africains, ça. Ouais. Ok. Parce que chacun a sa spécialité, en tout cas là. Ils sont pas tous comme ça, heureusement. Non, ça c'est une mauvaise interprétation. Hein? Donc c'est tout simplement du vol. Voilà, c'est du vol. Donc, on ne doit pas faire une telle interprétation. Malheureusement, beaucoup de personnes se servent de la Bible, comme vous le savez, pour arnaquer les autres. Donc, si vous avez de tels enseignements, hein, donc il faudrait les rejeter catégoriquement. Voilà. Donc, c'est du vol. Dans ce passage, il est nullement question d'argent. Donc, cette personne était handicapée et le Seigneur l'a guéri physiquement. Voilà. Donc je crois que s'il y a des personnes qui doivent être délivrées de cet esprit, hein, c'est plutôt ces pasteurs. Voilà.